Séparé de Gaëlle Pietri, la mère de son fils Orso, Gaspard Ulliel était à nouveau amoureux. En tout cas, c'est ce que prétend le magazine Public, qui est sorti le 4 février 2022, en disant que Gaspard était en couple avec la comédienne Vicky Krieps, une jeune femme particulièrement discrète. Alors, quel crédit apporter à cette information qui est donc délivrée par Public ? Si on s'en tient aux informations qu'on a sur sa vie privée, Virginie Krieps est en couple avec un acteur allemand avec qui elle a deux enfants, une fille Elisa qui est née en 2011 et un fils Jean-Noah qui est né en 2015 et elle vivrait à Berlin avec son mari. Cependant, d'après l'hebdomadaire Public, les deux comédiens, donc Gaspard et Vicky, seraient en couple depuis un an. Et entre eux, le coup de foudre aurait été immédiat, à tel point qu'ils auraient emménagé ensemble très vite. Et le 19 janvier, alors que la nouvelle de la mort de l'acteur était révélée, Vicky postait sur Instagram un cliché avec une bougie. Tous les deux se seraient rencontrés à l'occasion du tournage du film « Plus que jamais » d'Emilie Attef, dans lequel Vicky incarne Hélène, une bordelaise de 33 ans. Le coup de foudre aurait eu lieu à l'occasion du tournage de ce film, c'est ce qu'on apprend. Alors, si effectivement il s'agit bien d'un couple, pourquoi Vicky n'était-elle pas présente aux obsèques de Gaspard ? Alors, elle dit que c'était pour rester en retrait par rapport au reste de la famille, par rapport à Orso, par rapport à Gaëlle Pietri, par rapport aux parents de Gaspard. Elle n'a pas voulu apporter du drame au drame, ce sont ses mots. Chacun se fera son idée. Est-ce qu'il s'agit d'une rumeur ou bien d'une information qui va être confirmée dans les jours qui viennent? On le verra. C'est difficile d'être catégorique. On se dit qu'il n'y a pas jamais de fumée sans feu. Mais là, c'est une femme mariée avec deux enfants. Donc le mieux, c'est de rester.